sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis la seule lors de tout le pleu. Je suis très heureuse d'être avec un coach aussi comme moi, mon collègue coach. Alors vraiment, ce n'est pas facile à te retrouver. Et il est aujourd'hui coach de la jeunesse. C'est grâce à lui, les jeunes maintenant, vraiment, le gourmet ne peut pas trop les atteindre. Parce qu'avec le coach au moins, il cherche à les parler, les causer. Depuis l'enfance, il est déjà coach. Il commence à donner des conseils depuis qu'il avait 15 ans. Donc vraiment, je suis ravie. Bonsoir. Bonsoir, la sœur le plein. Oui. C'est pour vous demander que, mais vraiment, c'est pas facile. Hein? Avec les jeunes, là, tu ne laisses même pas le temps. Ouais, ouais. Vous êtes toujours parti. Ouais, ouais. Toujours vu qu'on est dans la lien. Hein? Ah, toujours en train de sensibiliser, en train de faire les nouvelles vidéos, en train de poster. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il faut, la jeunesse est déjà voilà, dans la lien. Donc, il faut les ramener à la raison. Ça, c'est pas mal. Parce que quelqu'un qui cherche à réunir la jeunesse, c'est que tu as réuni quand même tout le monde. Effectivement. Hein? Parce que tout ce qu'on fait, c'est reposer sur la jeunesse. Effectivement. Si les jeunes t'ont accepté, tous les jeunes ils sont accrochés à toi. Il faut te dire que c'est du bon. Ouais, parce que tu peux prendre le cœur d'une seule personne, mais pas le cœur de la population. Ouais, donc, si tous ces jeunes-là sont avec toi, c'est que vraiment tu es bien. Ouais, c'est ça. Pour ça, souvent, je te dis beaucoup merci. Merci beaucoup. Parce que aussi, nos enfants sont des jeunes. Ça veut dire que tu es leur coach. Ouais. Donc, moi, je suis coach des hommes. Mais souvent aussi, je supporte aussi. Je ne te supporte pas parce que tu es mon fils. Ouais, ouais. Mais je te supporte dans la réalité. Effectivement. Parce que c'est pas parce que tu es mon fils, comme j'ai dit aujourd'hui, je suis l'avocat des hommes. Souvent, il y a des femmes qui me font des reproches. Ma, nous m'aurons te croiser. Parce que toi, tu supportes seulement que les hommes là. Ce qu'ils nous font aussi, moi je vois. Je vois, mais moi, mon problème, c'est pour que je passe sur les antennes. Mon problème, c'est pour dire, je ne veux pas que ma fille divorce. Je ne veux pas qu'elle se promène. Donc, je suis obligée de m'accrocher aux jeunes qui tiennent ma fille. Mais ce n'est pas parce que je fais ça que tu vas faire du n'importe quoi. Alors, un matin, moi, je peux. Je suis comme ça. Effectivement. Parce que la chance qui sourit au chat ne sourit pas au chien. Parce que lorsqu'on doit donner au chien, on met ça devant le chat. Ouais. Chat a quelle dent pour manger, os de bœuf, tout ça. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, faut te dire que vraiment, soyez les bienvenus. La maison Ivoire TV Musique aujourd'hui. Nous avons créé aujourd'hui pour que ça soit le gourmet sucré. Tout le monde a le gourmet dans le corps. Le gourmet, oui, le gourmet. Ils ont le gourmet, mais ils jouent le jeu. Alors, quand c'est sucré, tu prends ça à faire plaisir. Ouais, ouais, mais il y en a qui ne tiennent pas. Il y a des gourmets qui sont forts. Il y a des gourmets même vraiment qui sont. Il y a des gourmets dedans, il y a beaucoup dedans, tout ça là. Toi-même, tu es là, mais tu comprends même pas. Tu as Bissab même, mais ça brûle. Pourtant, c'est Bissab, hein, tu as pris, mais ça brûle. Oui, c'est vraiment voilà. Compliqué. Parce que le gourmet de l'homme est très efficace que pour la femme. Effectivement. Est-ce que tu vois? Mais pour l'homme, quand il aime une femme, vraiment, il ne croit pas. Ouais, ouais, moi, c'est ce que je veux dire souvent quand je dis les hommes ne croient pas. Que est-ce que celle-là peut me faire ça? Et souvent aussi, la femme aussi dit, mais moi, je ne peux pas croire que ce monsieur peut quand même m'abandonner comme ça. Est-ce que tu vois? Quand tu vois souvent, il y a des maisons à Abidjan ici. Il y a des maisons à Abidjan ici que tu vois certaines femmes. On dit, ah, elle est chez ses beaux-parents. Pendant 8 ans, le jeune met pas pied. Tous ces 8 ans-là, c'est comment? C'est dangereux. Hein? Et vous, les parents, même vous savez que 8 ans, votre fils vous a déjà dit qu'il ne veut pas. Mais comme vous voyez que la fille est courageuse, ou bien elle travaille, ils sont obligés de jouer le jeu. Mais moi, je dis, c'est la sorcellerie, ça. Effectivement. Si mon fils ne veut pas, j'appelle la petite fille. Maman, excuse-moi, mais vraiment, il faut te retirer un peu. Là-bas, les 8 ans, elle peut se retrouver un foyer. Qu'est-ce que maintenant? Non, ça va aller. On l'a pas, il va venir où? C'est quand même avion, mais ça va, ça arrive. Pour moi, ça ne vient jamais. Donc, vraiment, c'est pour vous dire un peu que ici, c'est un coin de vérité. Et si c'est un coin aussi pour rassembler les gens, je ne parle pas de divorce. Parce qu'il y a un an qui m'a écouté, je dis quand je suis en ville, ah, grâce à toi au moins vraiment, la seule lore, ça va. Grâce à toi, on a écouté tes conseils. Il y a une jeune fille, mais elle est au marché Bagnon, hein. Elle s'appelle Ozoa, une tresseuse. Elle m'a vraiment écouté, mais elle est jagée, Ozoa. Tu es jagée? Parce que bébé a 6 mois, elle est enceinte. Le fond vient de me dire que la seule là, Ozoa, elle a un bébé. Je dis non, le petit n'a pas encore marché. On dit, il y a déjà petite soeur derrière. Donc Ozoa, elle dit, maman, je suis tes conseils. Bravo là-bas. Donc vraiment, je vous écoute. Ah, padre. Moi aussi, bon, je vois l'émission, je suis l'émission. Je vois que la maman vraiment rassemble la jeunesse. Voilà, essaie de sensibiliser aussi. Pareil que moi. Donc, je tenais vraiment à être là, participer aussi, vous donner un coup de main. Voilà, par rapport à ce que vous faites. Moi, c'est même celui-là qui est fait aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, quand voilà. C'est courage, vraiment, ça donne truc. Ça devient ça, on est collé. Voilà, au moins, il défend beaucoup les filles aussi. Mm-hmm. Parce que les femmes n'ont pas de force. Mm-hmm. Une femme après un enfant, 2, 3, 4, net, elle n'a plus de force. Tu finis de lui faire 4 enfants et puis tu fous d'elle, il faut partir, va où tu veux, etc. Et autre, vraiment, c'est d'abuser d'elle.
Donc, il interpelle les hommes à beaucoup faire attention. Les femmes sont nos mamans. Les femmes n'ont pas de force. Mm-hmm. Voilà, les femmes n'ont pas de force. C'est les hommes, les femmes comptent sur les hommes. Mm-hmm. Les hommes sont faits pour sécuriser et prendre la sécurité des femmes et de les apporter tout ce qui est comme truc. Mais malheureusement, certains hommes qui abusent trop des femmes. Voilà, une femme n'a pas de... Elles ont les bouches là, sont devant elles. Oh, après maintenant, voilà elle qui est là. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là qu'elle a décidé vraiment d'aider beaucoup les jeunes filles à comprendre beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas compris dans le passé. Voilà. Moi aussi, c'est sensible beaucoup. Partout où il passe, vu qu'on je t'ai écouté, on dit vraiment, je comprends, je t'ai écouté, on dit ce qu'ils voulaient faire, ils sont en train de faire, voilà. Ils ont passé à d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans ce truc-là que je suis venu à te donner la main pour aider la jeunesse aussi à revenir. Vraiment, voilà. je suis très contente. Voilà. C'est pour dire que dans ce monde-là, c'est deux personnes qui peuvent te donner conseil. Effectivement. Parce qu'on doit se donner des idées. Effectivement. Donc, je disais tout à l'heure, bon... Les hommes qui font quatre enfants à une femme qui la laisse, qui font ça. Souvent aussi, il ne faut pas trop aussi accuser les hommes. Parce que je ne peux pas faire quatre enfants avec une personne et l'abandonner. Elles ont nous, les femmes, on a des petits trucs aussi qu'on ne peut pas dévoiler. Est-ce que tu vois? Sinon, l'homme ne se voit pas faire quatre enfants avec toi, puis t'abandonner. Est-ce que tu vois? Donc souvent, comme tu causes avec la jeunesse, il faut leur demander, mais tu as fait quoi jusqu'en quatre? Même pour la laisser, ce n'est pas facile. Effectivement. Jusqu'en quatre. Mais jusqu'à aller faire, l'homme aussi, aller faire quatre enfants avec une fille, sans même connaître la fille bien, sans chercher à connaître c'est quel genre de fille. Parce que, mine de rien, la femme, elle est la mère de tes enfants. Mm-hmm. Voilà, elle est la mère de tes enfants. Tu fais quatre enfants avec elle, sans chercher à connaître qui est la femme là vraiment et pourquoi il doit faire des enfants avec elle. Mais avant d'aller faire enfant avec une fille, il faut être sûr d'elle, il faut avoir confiance à 100% avant d'aller faire enfant. Tu n'as pas fait un enfant, deux, trois, quatre. Maintenant, tu trouves maintenant des défauts. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas soumise, elle, etc. Et autres. Après quatre enfants, trouver des prétextes pour la laisser la partie. Qui va la prendre après? Donc, il y a tous ces détails-là qui sont là. Il y a des hommes qui ne sont pas bien. Il y a des hommes qui ne sont pas bien. Et l'homme, à partir de 60, il peut renouveler sa vie. Mais pour une femme, c'est pas le cas. 60 ans, qui va le prendre? Non, femme, pardon, l'homme. L'homme, à partir de 60, il peut renouveler sa vie. Hein. Avec une petite. S'il a les moyens, c'est fini. Hein. L'homme, s'il a l'argent, on l'appelle un chou. Ceux qui n'ont pas moyen, là, on ne peut pas les prendre. Hein. Ouais. L'homme qui a l'argent, on l'appelle. Tu es pauvre, là, on ne te prend pas. 60 ouais. ans, avec qui tu as. Non, mais c'est ce que c'est bien comprendre, en fait. 60 ans, si tu as l'argent, on t'appelle Chougada, on te renouvelle, on te prend. Tu peux sortir les petits filles de 16 ans, 8 ans encore, ça n'a pas de problème. Non, non, ça marche. Mais avec une femme, ce n'est pas possible. C'est 60 ans qui va prendre enfant des gens 16 ans, là. Ça veut dire que ses parents ne sont pas Abidjan ici. Non, mais Abidjan. Les gens organisent des mariages. Ne donne pas le courage. Les gens organisent ces mariages-là ici, Abidjan. Les gens organisent les mariages de 60 ans ici. Parce que le monsieur, il a l'argent. Quand il y a l'argent, net là. L'argent aujourd'hui, le monde est. Qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? Il suffit d'avoir l'argent, c'est fini. Donc, il y a les vieux qui ont l'argent, ils ont tout. La même assise, elle voit qu'un monsieur, un pépé vient derrière sa fille, elle ne peut même pas parler. Parce qu'avant de partir, enveloppe qui reste. Ah bon. Voilà, c'est les 500 000, les 600 000 et puis ça va. Ah bon. Donc il n'y a pas de truc. Moi, je préfère être pauvre. Moi-même, la seule homme, je suis habitué à ma pauvreté. Mais vous êtes combien aujourd'hui qui accepte la pauvreté? Excuse-moi, monsieur. Vous êtes combien? J'ai dit, moi, la seule homme, moi, je préfère ça. Être pauvre là. Oui, là, c'est vous. Quand tu vas au cimetière, on n'a pas dit que voilà, corps de. Oui, mais là, c'est au cimetière, on n'est même pas encore arrivé au cimetière. On a envie de le faire. Moi, je ne vois pas. Mais excuse-moi. Excuse-moi, il vient. J'ai dit, excuse-moi. Au cimetière, il n'y a pas de factures. On ne paye pas maison, on ne paye pas courant, on ne paye pas l'eau, on ne mange pas. Mais ici, mais ce n'est pas le cas. Oui. Ici, il y a des factures sur des. Il y a une réalité physique dans la vie normale qui n'a pas de rapport avec le cimetière. Cimetière, on s'en est jeté, c'est fini. Mais ici, on a des factures à payer. On a des choses à faire. Donc, mais tu as donné ta fille d'avoir un plaisantin qui ne peut même pas s'occuper d'elle. Oui, mais tu as donné un jeune de 60 ans qui paye, qui s'occupe bien d'elle, qui t'aide à faire beaucoup de choses et qui est venu donner ta fille. Moi, j'ai dit, tu me permets que je me réveille un peu. Bon, allez-y, maman, allez-y. J'ai dit, okay. Parce que je suis dans les problèmes, je vais prendre mon enfant. Non, pas les problèmes. Non, non, non. Pas dans les problèmes. Non, 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 c'est des gens qui non, sont. Pas, c'est pas des crochards, c'est non, des gens qui ne savent pas ce qu'ils non, font. Non, pas dans les problèmes. Un enfant qui vient, tu m'excuses. Un enfant de 15 ans, même moi-même, la seule de triple, je ne peux même pas prendre quelqu'un de 70 ans, il va s'approcher. Il dit, eh ben, tu ne peux pas. Pourquoi? Et puis ma fille, à 15 ans, bien 20 ans même, elle va aller à 60 ans. Ça veut dire quoi ça? Ses parents qui font ça parce qu'il va laisser enveloppe de 500. Je préfère mailler mon baron à la maison, ça ne coûte pas cher.
avec 300 francs. Bah, même si tu gagnes. Bah, même si tu gagnes. Moi-même, j'ai gagné. Bah, même d'avoir si tu gagnes. C'est pourquoi ils sont en train de dire les filles. Non, moi, je gagne ça. Un homme peut refaire sa vie à partir de 60 ans, mais une femme ne peut pas. Mais il faut dire ça, mais tu n'as pas dit. Mais c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est ce que j'ai dit, en fait. J'ai dit, il y a des parents aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se couper? Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Il faut qu'on se coupe. Parce qu'on se coupe dans la. Bon, laisse-moi, je vais vous expliquer. Il y a un fini pour y aller continuer. Non, non. Si vous me permettez quand même. Je ne vais pas te permettre. Parce que là, c'est moi qui t'ai invité. C'est pas toi qui m'as invité. J'ai dit, quand tu mets pas de. Bah ouais, quand on gagne. Parce qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. Il n'y a pas de pauvres sur la tête. Tout le monde a un peu pour manger. Est-ce que tu vois? Même le fou, même dans la rue, quand il fait nuit, il sait où il dort. Donc, toi, ton cotillard que tu es là. Le fou, donc, que vous parlez même là. Si on ne jette pas la poubelle, il ne prend pas. C'est les gens qui prennent gratin pour aller jeter à la poubelle et puis fou la prend. Mm-hmm. C'est parce qu'ils ont beaucoup là-bas, ils ont mangé, ils sont rentrés, ils sont venus jeter, lui l'a pris. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui ne mangent pas une fois par jour. Donc, ils sont en train de vous expliquer quelque chose. Ils sont en train de vous dire. L'homme, à partir de 60 ans, il peut refaire sa vie. Mais pour la femme, ce n'est pas le cas. Donc, une jeune fille même ne doit pas jouer avec sa vie. Donc, voilà. Une jeune fille doit savoir faire le choix au moment que la lumière de sa bougie est allumée. Il ne faut pas attendre à tes 30 ans, à tes 35 ans. Ils vont se foutre de toi après. Donc, il faut savoir avec qui tu sors. Pour ne pas sauter n'importe qui après. Essaye de vous dire aujourd'hui qu'il y a des sugar daddy qui ont les moyens, ça va se dire. Ils sortent avec les enfants, les parents voient très bien parce qu'ils ont les moyens pour s'occuper de leurs filles, de leurs. Et puis, chose normale, tu peux donner sa fille à un gars qui va venir même, qui ne peut pas payer les 500 à la boutique pour donner à son bébé. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, il y a des mères, il y a beaucoup de mères célibataires. C'est dur à quoi? Trop de gourmets en ville, on se promène, on voit les gourmets par la fenêtre et devant les portes. Les gourmets même qui sont. Il y a vu le gourmet même qui est assis à Marconi, même là-bas. La fille, elle est assise comme ça, elle est malade parce qu'elle était malade. Et bien, elle m'explique son gourmet. Il n'y a pas gourmet. Moi-même, hier, je suis malade, j'ai tremblé. Ce n'est pas une autre gourmet. Pas lui, il n'y a pas fait de dire, on y a gourmet. Moi-même, hier, je ne me portais pas bien. Toute ma famille m'ont croisé. Et c'est parce que tu l'as cherché, elle m'a expliqué. Non, c'est son pas gourmet. Gourmet. C'est mais je vous explique un gourmet même. Je vous explique un gourmet d'une de mes abonnées. Moi, mais j'ai tremblé hier, puis ma fille américaine s'est occupée de moi. Il y a quel gourmet là-bas? Je vous explique le gourmet d'une de mes abonnées. De Bassam. Elle sortait avec un jeune Maroc. Le jeune l'a fait croire que non, il n'avait pas de parents. Son nom qui paie ses études. Et la fille, elle était l'unique fille de sa famille. C'est elle qui faisait tout pour les jeunes. Elle a tout fait. Le jeune avait un rêve, voulait devenir douanier. C'est elle qui a investi dans sa vie parce que ça allait très bien chez la maman et les parents de la fille. Elle prend l'an là pour s'occuper du jeune. Et quand elle est tombée enceinte de lui. La jeune fille même, elle devait payer ses études, elle allait partir continuer ses études en Europe. Quand elle a su sa nette, elle est tombée enceinte vite du gars. Tout cela pour ne pas quitter auprès de lui parce qu'elle l'aimait sincèrement. Elle a tout fait pour lui. Le faire briller, payer ses études. Il sort douanier maintenant. On l'a affecté au nord. Elle est ici, elle va prendre soin de l'enfant et puis après, elle va le trouver là-bas. Ils vont parler à faire des mariages maintenant. Un an après, c'est heureux mariage, elle voit sur les réseaux sociaux. Et elle appelle maintenant, il dit non, depuis qu'il était petit, on avait déjà réservé la femme, donc il est obligé maintenant de la prendre et puis elle, il va la prendre maintenant pour deuxième femme. Mais celle-là, si moi, elle ne venait pas vite, elle allait se suicider. Elle allait se prendre cette dernière-là. C'est moi, il l'a aidé, il a fait remonter la morale, etc. Si beaucoup de choses, il a fait comprendre que non. Elle est une bonne fille. Elle trouvait même qu'elle était naïve, elle était quoi, elle était n'importe quoi. Elle est tombée enceinte. Mais est-ce que quand la fille est venue vers vous, tu as cherché aussi à croiser son ami, hein? L'ami, là, est-ce qu'on peut le croiser? Il vit son love à truc à faire qu'il avait sorti douanier, ça va. Il roule dans sa voiture. Quand les deux se faisaient. Ouais, mais elle m'a montré le message de tout. Sur Facebook et WhatsApp, conversation, tout. Elle a mis conversation, ça passe. Le jeune parle. Le jeune parle. Je vois les preuves que c'est vrai, ce qu'elle m'explique. Elle a dit, j'ai souffert avec toi, à cause de toi, j'ai mis fin à mes rêves, pour toi. Et aujourd'hui, tu as tout fait, j'ai pété. Tu m'as fait croire même d'abord que tu n'avais pas parents. Déjà, tes parents étaient au village. Qui, même le fou, même, il sait où il a parents. Oui, mais le jeune fait croire à la fille qu'il n'a pas de parents. La fille l'aidait dans tout ce qu'il faisait. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais les hommes sont spéciaux pour beurrer la femme, Thomas, et tromper la vigilance des femmes, ils sont numéro un. Non, non. C'est moi, je t'ai dit. Voilà. J'ai dit, on peut perdre un père, une mère. Mais pas tout le village. Va venir te dire que je n'ai pas parents. Je suis, il n'y a personne derrière moi. Elle aussi, tout ce temps, au moins, elle doit faire enquête au moins pour voir jusqu'où ça ne va pas. Parce que je n'ai pas parents. Puis lui, ça, c'est des menteuses. Madame, excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il t'a dit qu'il n'a personne. Si la tête, c'est qu'il n'a pas quelqu'un. Tout le monde a parents. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui se marient deux fois? On peut se marier 20 fois, ça c'est non. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui font croire aux filles qu'ils sont célibataires et puis sans payer d'autres, tout cela? Oh, il est marié, il a des enfants. Mais le monsieur peut. Mais les hommes sont des acteurs. Ah. Ils abusent des femmes dans leur quotidien. On dirait que tu fais partie des acteurs là. Mais non, mais. Tu fais partie des acteurs là. Parce que moi, je suis. L'homme peut se dire que je ne suis pas marié, mais il ne peut pas dire que je n'ai personne.
que je n'ai personne dans ma vie. Ça n'existe pas. Regarde mon âge. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, je n'ai, même si j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, mais mon frère est là, mes petites soeurs sont là. La famille, quand même, c'est pas tout le monde qui est parti. Quelqu'un va te dire un truc, puis toi, tu crois à ça, ma fille. Quand même. Mais tu es unique en tes parents. Ils ont mis tous les espoirs sur toi. Quand tu leur demandes quelque chose, parce qu'ils savent que tu aimes la fille, ils sont obligés de te mettre à l'aise. Et Dieu merci. Dieu a touché ton cœur. Tu as passé son concours. Jusqu'à ça a marché. Et brusquement, tu vois, mais il te dit même pas, j'ai un parent ici, mais il dit non. On m'a... Ceux qui l'ont réservé, la fille, là, ils sont où? C'est une famille quand même. Mais c'est quelques années après. Elle a su maintenant qu'il avait vraiment, il avait une famille. Il a menti à la fille. Combien de temps ils sont restés là? Mais ils ont fait combien de temps après? Quelque chose de 7 ans après? 7 ans, puis c'est pas. Elle sait pas? Ah, non, mais il a bien juste des parents au village. Ils sont pas. Attends, papa, après... vous allez nous prendre pour ça. Wanyinou, c'est un village. Wanyinou, est combien de kilomètres d'Abidjan? Mon collègue coach, j'ai dit, la seule autre est dit, même vous-même, il y a longtemps, j'attends parler de vous. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes venu avec votre frère. Demain, je ne vais pas le voir. Quand il va me voir, il va dire, voilà maman, coach. Ouais, ouais. J'ai fait 7 avec un homme. Et puis, la seule loi, c'est dire que je n'ai personne. Et pendant 7 ans, qui va croire ça? Ils sont jeunes. C'est mon nom qui m'aide dans tout. Il n'y a pas de parents. C'est mon nom qui m'aide dans tout. Et il a présenté un monsieur comme son oncle. Et cet oncle-là, elle allait le voir. C'est même pas oncle. Elle a présenté le monsieur comme son oncle. Le monsieur aussi, tu sais, les hommes sont des acteurs. Il a préparé tout ça auparavant. La fille arrive. Nous, on les est à terre. Pas, toi, tu es non, mais en fait, il faut dire que nous, on les a à terre. Bon, nous, les hommes, nous sommes des acteurs. Ah, tu n'es pas dit, voilà. Mais quand tu dis, on les hommes, toi-même, tu n'es pas femme. Tu dis, nous sommes les à terre. Bon, nous sommes les acteurs. Nous, les hommes, nous sommes les acteurs. Et on sait très bien les faire. Merci. Nous sommes très bien. On sait très bien les faire. Il a organisé ça bien avant, auparavant. La fille est venue la présenter, puis ils ont fait le truc. Ils ont tourné. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui louent famille ici pour aller se marier, pour aller payer d'autres, comment on appelle? Il y a les gens qui font ça ici. Nous sommes les acteurs. Voilà. Voilà, il a préparé tout ça. Femme dormi la conscience de la fille, elle a abusé d'elle. Elle s'est investie dans sa vie. Maintenant, elle a mis fin à sa carrière et à son rêve. Et puis, lui, le poussé au dit, sort douanier parce qu'il avait un rêve. Elle croyait en lui parce qu'elle l'aimait. Il a fini de lui faire un enfant et il brise ses rêves. Et puis, au dit, il s'est marié avec, comment on appelle, sa soeur. Sous prétexte que non, on m'avait déjà réservé la fille, j'avais combien de temps, donc je ne peux pas la laisser. Elle la prend et puis toi, elle te prend comme deuxième femme. Et l'enfant? L'enfant est resté avec la fille. L'enfant avec la fille aujourd'hui. Et l'enfant est dans le foyer du monsieur. Parce qu'elle s'est remariée là. Il s'est remarié, oui. Il a eu au moins deux enfants avec l'autre hein, actuellement. Mais l'autre. Elle-même, son enfant, elle a l'enfant avec elle là-bas. Oui, l'enfant est elle ici ah, là-bas. L'enfant avec elle. L'enfant est dans le monsieur, il vient voir, parce qu'elle a, il vient voir l'enfant, il n'y a pas de problème. La fille a des moyens pour s'occuper de son enfant. Mm-hmm. Voilà, la fille a des moyens, mais elle n'a pas les moyens d'amour. Ouais, effectivement. Elle a les moyens, mais pour l'amour, là, elle n'en a pas. Pas les moyens on peut avoir les moyens de tout, mais l'amour seulement, il n'y a pas son moyen. Effectivement. Donc, voilà ce qu'elle traverse aujourd'hui. Elle m'a expliqué, je l'ai ramené à la raison, elle a expliqué des choses, j'en ai pas fait à faire pour ne pas voilà, se retrouver. Oh, dis, elle a revu quand même à faire passer ça. Mais comme 7 ans de sa vie dans ça, là, dans ce mensonge-là, nous les hommes, nous sommes les acteurs. Donc à partir de là, on doit dire aux filles de ne pas croire aux belles paroles des hommes. Nous les hommes, on dispose. C'est que tu as fait le tour du monde. Hein? Oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Vraiment, hein? Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. La mission, donc, est choisie, mais c'est pas facile. Mais avec Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a rien qui est impossible. Voilà, on va atteindre le sommet. Dieu même est là, puis ça arrive. Il faut laisser Dieu se reposer. Non, mais dit, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des filles. Il y a des coins même qui vont arriver, même là, il y a des hommes même qui dorment chez les femmes. Qui font tout chez les femmes. Ça là, seulement, Dieu seulement pour ça, il ne regarde pas près. Il a porté loupe là-bas. Laisse Jésus dormir. Ça là, je m'en fous de ça. J'ai dit. Ce que tu entends, les messieurs, pour dire non, les hommes. Parce que quand deux personnes s'aiment là, même si le monsieur est braqué, il est volé même là, tu vas pas parler même à ta propre, ça ne va pas écouter. Tant qu'elle-même, sa tête n'a pas coincé le mur. Tout ce qu'on va leur demander, quand tu croises un homme, la première des choses, va connaître sa famille. Va dans sa famille. Même si elle loue les familles, mais tchoko, il faut tout faire pour croiser ces familles qu'on a louées là. Il y a plein de gens qui louent leur famille, c'est bien beau. Est-ce que tu vois? Mais. Moi, j'ai un oncle là, c'était un mouvement, il prend go aujourd'hui, il a go de lundi jusqu'en dimanche, il les change. Mais un jour, on était encore très jeunes, hein. Faut te rappeler en 66, c'était vraiment côté. Il allait au cinéma, il était parti au cinéma comme ça, il était parti avec son ami. Quand il est venu devant le cinéma à l'époque, ça faisait 20 francs. Quand il a regardé, il a vu une femme qui l'a frappé en l'œil, il dit, ah, ça c'est mon genre ça. Maintenant, son frère dit, ah, aujourd'hui, il a dit, non, non, celle-là, je ne peux plus la dire, c'était une revenante.
Il est rentré, il a pris deux chambres comme ça, deux places plus pour son ami. Ça faisait 60 francs. Ils ont payé le ticket, ils sont rentrés. Et je vous dis que c'est de la réalité. Les parents, même ses parents vivent encore. Il y a beaucoup qui sont morts, mais sa cousine est là. Donc ils sont allés, quand ils ont fini, elle a dit, bon, tu nous accompagnes, hein? La fille est partie avec eux. Mais son ami, il dit, la fille, lui, il est derrière la fille. Mon frère, comme c'est sa maison, lui, il était devant. Mais il attend, tchop, 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 tchop. C'était sabot. Tchop, tchop, tchop. Mais là, il dit en gris, ah, au bout d'un où il est, les chaussures, là, pas là. Il dit, oh, tu es jaloux, il n'y a rien dedans. Ils sont partis. Arrivés dans la maison nette, voilà courant qui coupe. Et courant est coupé, ils ont allumé bougie. Puis ils ont déposé. Dans allumé bougie là, le monsieur a fait tomber quelque chose. Le propriétaire même qui a cherché la femme. Quand il a regardé, son ami qui est venu avec eux, quand il regarde, il dit, mon frère, tu cherches femme, hein, mais aujourd'hui, là, tu es au terminus. Il dit, comment ça? Il dit, ah, moi j'ai cherché à partir. Tous ces pieds là, c'est bœuf. Il dit, tu dis quoi? Il dit, pas, faut pas parler fort. Bon, ma chérie, je vous aime bien, moi je vais partir. Il va passer par où? Alors que de chez eux, aller chez ton voisin, de son ami, c'est pas loin. Quand il a dit, là, se loger, marcher, marcher, marcher. Mon frère est resté à lui. Quand il veut sortir, si elle a barré partout, il n'y a plus de porte. Il n'y avait plus de porte. Il crie, il dit, quand il se déshabille là, c'est des draps, c'est des draps. C'est des draps, c'est des... Il crie, on n'entend pas sa voix. Et elle lui a dit, il faut crier même. Même celui qui est à côté ne va pas savoir que je suis dedans. Il crie jusqu'à... Il s'est évanoui à 4h du matin. C'est là qu'elle est partie, ils ont ouvert la porte. Quand il est sorti, il est devenu fou. Pendant 6 ans, ils l'ont soigné à Danandé. Mais quand il s'est retrouvé, pendant 6 ans, quand il s'est retrouvé, il a plu la plus vilaine femme du monde. Si tu vois, celle qui vient avec elle présentement, t'as eu, voilà. Voici tes dents, on dirait vampire. On lui a demandé, c'est encore mieux, personne ne va la draguer. Ce que j'ai vu là, je vais prendre, je vais marcher, je dis femme. J'ai dit, sa femme, quand tu demandes, c'est les dents là qui ouvrent la porte. Elle est là. Tellement que c'est des crochets là. C'est les dents là maintenant qui ouvrent la porte. Donc, dans ce monde-là, si les femmes, souvent aussi, on peut les défendre. Mais la femme aussi, c'est pas aujourd'hui où se trouve son bonheur. Bah, toi, tu veux faire du sérieux avec ces femmes-là, elle ne te prend mais pas au sérieux. Mais quand vous parlez de la femme, elle ne sait pas où trouver son bonheur. C'est oui. Quoi le bonheur de la femme? Le bonheur de la femme. Vous pensez que c'est le matériel, au fait. Le bonheur de la femme, c'est quoi? C'est la pas... femme n'aime pas son bonheur, la femme n'aime pas son bonheur. Tu vas venir avec tous ses biens et ses trucs. La femme, ce n'est pas l'argent, regarde, hein, non, à la base. Le gars pense que la femme aime l'argent, ce n'est pas ça. C'est l'amour véritable. La femme regarde. Quel que soit le confort qu'elle te la met dedans. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des filles, moi, j'ai connu des filles. Qui prenaient l'argent des pointeurs pour l'entretenir leur propre chérie. Mais si tu es vieux périmé, je prends ton âme, hein, tu vois, celui qui est mon donc c'est, oui, mais elle avait tout. Il y a vu un monsieur, ma Makoui, qui est venu freiner, garer avec la police, faire descendre un jeune dans une voiture et puis il est parti à la voiture. Parce que la voiture, il l'a acheté pour sa femme et puis c'est son chéri qui roulait dedans. Vous comprenez? Mais c'est les hommes qui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui en ville, là, c'est les hommes qui ont provoqué ça. L'infidélité et beaucoup de choses. Les femmes n'ont rien fait. Les femmes n'ont rien fait. Parce que toi, tu es tombé sur une femme qui t'a rien fait. Donc, quand tu parles, il faut parler en général. Effectivement. Si ce comportement-là existait, là, beaucoup de femmes allaient se marier. Mais oui, c'est parce que ce comportement-là existe. Les hommes ne veulent pas se marier. Non, non, non. Tu vois, aimer quelqu'un, tu as tout fait pour lui. Oh, il ne t'aime pas, tu n'es pas son genre d'homme. Et un genre de femme. On dit les hommes cherchent les gens de femmes. Vous comprenez quand elle qui est à la maison, qui prépare, qui lave assiette, qui fait tout. Truc, et non, elle est servante, elle est temps. Il veut les filles sexy au dehors. Vous comprenez? C'est il refuse pas porte à la maison et il donne, il paye des trucs, il paye mes chemins au dehors. Or, à la maison même là, elle-même qui est à la maison, qui lave tes affaires, tes dessous, etc., qui pressionne la maison, à peine même, tu peux la faire sortir un peu. Mais toujours, tu es au dehors en train de payer poisson braillé pour les petites filles à mini-jupe au dehors. Vous comprenez? Tu as dit, fais 3, 4 enfants, il va parler maintenant, prends tes affaires, tu es parti. De toutes les façons, là, il n'était pas obligé d'être là. C'est rentré, c'est sorti. Bangongo. Nous sommes. Bicongo. Bicongo. Nous sommes des acteurs du Bicongo. Oui. C'était toi-même ton film que tu expliques là. C'est maintenant que Dieu a touché ton cœur. Ce n'est pas elle la seule, tu vas parler tout seul. C'est avant que tu étais comme ça. Maintenant que tu es revenu à toi-même. Sinon, tous ces détails tu fais là, qui est au courant de ça? Tu te promènes dans l'air. Mais c'est une réalité physique. Moi, c'est un quotidien, le mot vert où les gars m'appellent là-dessus. Ils me parlent de, ah, voilà ce qu'ils traversent actuellement. Vous comprenez? Moi, j'ai un limogo vert. Les gars m'appellent à l'eau, voilà ce qu'ils traversent, voilà ça. Moi j'ai vert rouge, ça c'est pas un problème, j'ai dit. Moi c'est pas un problème tout ça. J'ai dit, ici là, ce que tu entends d'expliquer, on défend les femmes. C'est normal, c'est notre mère, nous-mêmes on est tous femmes.
Mais souvent, quand il y a une réalité, même l'homme souvent va entretenir une femme, elle va faire tout. C'est Dieu va te laisser, va te laisser. Mais est-ce qu'on va l'entretenir une femme sans savoir si elle t'aime ou pas? C'est là que tu trouves la question. Donc toi, et puis femme n'est pas caché. Demande pour le cœur. Non, femme n'est pas, femme n'est caché. Je demande si tu as le cœur. Une femme quand elle t'aime pas, te montre ça, tu chites. C'est pas vrai. Oui, une femme quand elle t'aime pas, te montre ça, tu chites. Est-ce qu'il y a un tempête? Une femme qui est dans ta vie, qui te fait seulement que dépenser, aller dans les grands coins. Tu sais que c'est pas pour ton amour qu'elle est là. Elle est là pour abuser de pour en profiter de tes biens. Une femme qui t'aime réellement. Nous les hommes on fait exprès. Ce sont les femmes qui nous aiment là, qu'on voit, on connaît. Mais les femmes qui nous aiment là, ce ne sont pas les gens de, c'est pas nos, voilà, nos gens de femmes. D'après notre truc, c'est qu'on dit ici. On fait des, c'est ce qu'il te dit. Tu sois avec une fille courte, bien, qui prend soin de la maison, tu vois, une grande taille, une égypte, tu dis non, voilà la femme de ma vie. Est-ce que toi, là, la femme de ta vie, là, tu es l'homme de sa vie? C'est là-bas que se trouve la question. Vous voyez, pourquoi il y a beaucoup de mères célibataires aujourd'hui? On n'a pas fait enfant parce qu'on voulait faire enfant. Elles ont fait ces enfants-là par amour. Et les hommes, là, ont fait quoi? Ils ont fini par fuir quand même. C'est comme ça, nous sommes des acteurs. On a bu. C'est ce qu'il dit à nos jeunes frères qui sont en concubinage, même souvent, de vider la maison, d'attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas aller encombrer la maison de quelqu'un, il n'a qu'à me marier. L'homme te marie quand il veut. L'homme ne te marie pas parce que tu es soumise. L'homme ne te marie pas parce que tu es respectueuse. L'homme te marie quand il t'aime. C'est pourquoi les voilés sont en ville et on fait sortir les filles dans les bars pour les marier. L'homme te marie quand il t'aime. Donc, arrêtez de forcer les choses. Laver habits, laver douche. Du quand ta paume devient, on dirait que tu fais quatre pattes à ton jeune âge. Attends. Tu as des filles quand même. Quand tu vis avec une femme dans une maison, elle n'a qu'à laisser ta douche. Mais pourquoi, mais aller vivre avec toi-même dans une maison en tant que qui d'abord? Pourquoi laisser la famille aller vivre avec quelqu'un en concubinage? Pourquoi? Mais aïe. Est-ce que c'est normal de laisser la famille aller vivre avec un garçon mais comme ça? C'est même ta mari, non? Non, mais même pas un bidon d'eau. Là, tu vas venir honorer ta famille quand même. J'ai dit. Tu ne vas pas quitter la famille, aller vivre en concubinage dans le billard comme ça? Pourquoi? C'est ça qui a créé les gourmets. Ben, tu vas quitter la famille. On se marie la journée. Pourquoi c'est la nuit, toi, tu prends un château bleu pour aller te marier? Qui est témoin de ça? J'ai dit, tout ça, c'est toi-même ton film. Moi, je m'en fous de mais ça. Mais moi, je vous explique. Parce que moi, si je vais te dire, mais laisse-moi parler. Oui, allez-y, allez-y. Nous sommes en train de débattre ça. Mais on finit pas de dire les femmes qui prennent sachet la nuit. Que ça soit la nuit ou ça soit dans la journée. Mariage, c'est mariage. Mariage n'est pas mariage. Ben, allez-y. Donc, mariage, on n'a qu'à faire choix. Mariage n'est pas mariage. Si quelqu'un, qu'il m'a vu, qu'il veut de moi, au contraire, quand une fille s'en va dans un foyer, il y en a qui vont dans le foyer, pas forcément à cause de le bien que tu as. Il y a des femmes que tu trouves, elles trouvent un homme qui a des biens. Mais elle ne veut pas de lui, elle ne veut pas de lui. Est-ce que tu vois, il y a des jeunes aujourd'hui ici, là, ils peuvent gagner 50 000 francs, bien 100 000 francs dans le mois. Mais quand il veut d'une femme, que lui-même il veut d'elle, là, mais il met toute sa vie en jeu, et puis au dernier moment, la fille même le trompe. Et puis lui-même, il ne revient pas. Il dit, mais attends, qu'est-ce que ça fait que souvent un homme qui ne veut même plus avoir copine, il y a un homme qui ne veut plus se marier, il dit, mais je fais tout à une femme. Donc je préfère, Dieu ne m'a pas encore donné l'heure. Je préfère m'asseoir. Mais quand tu dis une femme qui quitte son foyer, sa famille, qui vient dans l'autre famille, la famille n'est pas faite pour la fille. Elle est faite pour aller se marier. Et où elle s'en va, c'est ça qui est sa vraie famille. Le mariage, vous avez dit, c'est bien. Le mariage, vous avez dit, mariage, c'est mariage. Le mariage n'est pas mariage. On se marie dans la journée devant les hommes et devant Dieu. On ne se lève pas, laisser les parents coucher, ramasser ses affaires, mettre un chasseur bleu, traverser le silence de la nuit, voilà, encombrer la maison de quelqu'un, sous prétexte que tu es venu vivre en concubinage. Ce n'est pas ça le mariage. C'est ça qui crée le gourmet inutile. Parce que quelques années, là, tu as fait un enfant, des enfants. Demain, le gars ne te veut pas. Il t'a marié devant qui? Donc, il n'est même pas venu avec un château, un bidon d'eau honorer ta famille. Chez toi, dans ton village, il y a combien de personnes qui sont mariées là-bas? Non, mais quand on n'est pas marié, on a la maison. Ah. Moi, dans mon village, quand on n'est pas marié, on a la maison. Et quand on est marié, on est chômage. C'est moi, dans mon village, c'est donc, comme... tous ces gens qui sont dans les foyers, s'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas considérés. Oui, ils ne sont pas considérés devant les hommes et devant Dieu. Et moi, je pense qu'il faut s'approcher de quelqu'un pour mieux le connaître. Ce n'est pas dehors que tu vas connaître ah oui, ton mais, partenaire. Non. Parce qu'il faut qu'on vive ensemble pour mais qu'on sache y a, qui on y est. Il n'y a pas d'excuse pour des parce filles. Parce que dehors, tu ne vas pas, jamais savoir. Tu vas jamais savoir s'il peut m'arranger ou bien il ne peut pas m'arranger. Par exemple, vous aujourd'hui, Bikongo. Bikongo, aujourd'hui, tu peux tomber sur une femme. Par exemple, la seule, bien vrai, j'ai pris de la main. Tout le monde a été jeune. Effectivement. Donc, si je viens, que Bikongo vient vers moi, la seule, il faut avoir le comportement de Bikongo. Et puis, pour la seule, on verra comment ça va se passer. Est-ce que tu vois? Bien vrai, si j'ai pris un sachet pour venir dans ton foyer, c'est le moyen, c'est parce que je n'en ai pas que Bikongo va me payer un sac en main. Est-ce que tu vois? Donc, si on veut dire, il y a des voix. Les mariages de nuit, là, mais c'est ça qui ressuscite dans comment la nuit. Comment mariage de nuit? Est-ce qu'on peut se marier dans la nuit? Ah, mais tu dis, on va aller chercher la ah, nuit. Ouais, le concubinage n'est pas un mariage. Vivre en concubinage, c'est pas vivre dans un foyer. Moi, les parents, moi, j'ai vu qu'il y a des.
À l'époque, nos parents au village, ils sont pas allés devant le maire. Mais quand même, ils ont honoré la famille quand même. Ils sont venus, ils ont vu votre fille et puis ils ont donné. Mais il y a des filles qui ne font pas ça. Ils se lèvent sans l'accord des parents, rien. Et ils se lèvent eux-mêmes et ils s'en vont se marier elles-mêmes. Est-ce que c'est comme ça qu'on se marie? On ne se marie pas comme ça. Et c'est ça qui crée les goumets. C'est ça qui envoie les enfants, comment on appelle, les mères célibataires, beaucoup, les enfants sans papa, c'est ça qui envoie ça. Ah bon? Beaucoup d'enfants. Parce que tu t'es levé, tu es allé te marier. Mais et si monsieur... tu as un enfant sans papa, ça dépend de ton comportement. C'est que tu as fait le moukoupan partout. Sinon, s'il n'y a pas tout ça, comment lui-même, il sait qu'il est le seul, il ne va jamais refuser ça. Mais si tu es là, tu sors n'importe comment. Tu vas voir. Tu sais pas juste qui t'enceintait. Mais est-ce qu'on sort avec une fille même d'abord qui sort n'importe comment? Tu sais que la fille sort n'importe comment, elle est en ville, elle ne te respecte pas. Tu n'as pas allé jusqu'à aller faire un enfant avec elle. Moi, il pensait que tu crois. Quand l'enfant fille. Vient là, Dieu te dit qu'il entend. Non, mais moi, il pensait une fille que toi-même, tu n'as pas confiance en elle. Tu sais qu'elle n'est pas bien. Il ne faut pas continuer l'aventure avec elle, tu la libères tout ça. Au contraire, c'est les filles qui se baladent là, qui sont fécondes, qui prennent. Ceux qui sont sur elles ne gagnent pas. Ou bien. Mais tu vas voir souvent les filles qui ne sont rien, qui ne ressemblent à rien. Qui n'ont pas les moyens. Mais matin, midi, soir, elles sont enceintes. Parce que même ceux qui sont riches, même, ils sont à la richesse d'enfants. Ils ne gagnent même pas grossesse même d'une semaine. Oui, mais en un mot, tout ce qui arrive aux filles aujourd'hui, c'est la faute aux hommes. C'est les hommes qui ont fui, les hommes ont fui les responsabilités. Faut dire, moi, Bakongo aussi, j'ai fait ça autant, j'ai fui aussi. Maintenant, comme non, j'ai fait, repris. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous, les hommes, aussi, nous, les hommes, nous, les hommes en général, c'est comme ça on est. Mais il faut quand même dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité, j'en dis aux gens que non, tout ce qui arrive aux filles aujourd'hui, c'est la faute aux hommes. Et les filles doivent beaucoup, beaucoup faire attention. Il ne faut pas croire à les belles paroles des hommes. Ce n'est pas vrai. Ils vont te dire non, on va te dire, on va t'acheter ça, on va te faire ça. Les gars ont chanté ça dans le passé. Les gars ont chanté ça dans le passé, faites ça, ne faites pas ça, ne faites mais pas ça. Moi, je suis en train de te dire aussi, si au moins si les hommes, si leur dos a intention, la fille va lire ça, ou bien c'est pas lire, elle peut appeler quelqu'un, ils ont écrit quoi. Ou bien si la fille aussi. Attention au feu. Vous écrire attention au feu, ne bougez pas. Mais quelqu'un qui vient, d'abord une fille qui va te dire, moi, j'aime pas les histoires, je n'aime pas trop parler. Attention, oui. Toi, tu es dans le monde, puis tu n'aimes pas parler, puis depuis là, tu traînes. Diamant sur la route, et puis quelqu'un ne voit pas. Diamant est là, tout le monde, avant de venir, il passe à côté. Il pense que c'est un diamant dangereux. Sinon, les filles, au départ, elles ne vont jamais te montrer qui elles sont. Elles ne vont jamais te dire que je suis comme ça. Hein? Souvent, on les chasse la famille à cause de leur sale comportement. Hein, on les chasse. Mais toi, comme tu la vois, vous mangez tout le temps, tu es obligé de dire, ah, moi, je préfère rester avec une seule fille. Tu es avec elle. Et mais c'est au départ, maintenant, elle va te montrer pourquoi elle brille et puis on ne l'apprend pas. Quand tu dis la faute aux hommes, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, je dois te dire, et puis je signe, les femmes aussi, elles ne sont pas humaines. Parce que la femme, souvent, elle peut s'approcher d'un homme. Quand elle sait que son déjeuner est clair. Quand elle sait que c'est quoi. Tu peux même l'entretenir, peut l'entretenir quelqu'un d'autre. D'après vous-même, vous avez les téléphones on et phone ou bien quoi, phone là. Payer sa chair pour les donner. Puis quelqu'un d'autre communique dedans, tu vas lui faire quoi. On n'a jamais encore envoyé sur la terre ici, en Côte d'Ivoire ici, les portables. Quelqu'un, on entend de causer avec ta copine, tu regardes dans le film là. On n'a pas encore envoyé ça. Ou bien ils sont en train d'aller avec ta femme, ta copine, toi-même, tu vois les preuves. Donc, ce qu'on va dire. En les défendant, moi je suis contente parce que je suis une mère. Mais quand il y a une réalité, quand je dis souvent aussi les filles là, elles ne sont pas celui qui va l'entretenir. Tu viens de dire, il y a un monsieur qui a donné, qui vient, il a 60 ans, lui-même il sait bien. C'est son ayant maintenant qui a avenir, lui-même il n'a plus d'avenir, ah, il a 60 ans. Mais les il vient dans un foyer, dans le foyer de la famille, la petite fille a 15 ans. Donc quand il dépose les 500 francs, quand on le voit venir seulement, la maman met le réveil, lève-toi, il est venu. C'est les mamans escrocs. Moi, je ne peux pas donner ma fille à 15 ans. Moi, ma petite fille a 25 ans. Ma petite fille, la fille de ma première fille. Donc, à Karine, un périmètre ne peut pas venir devant la seule là. Moi, j'ai croqué la vie. J'ai connu l'argent. Mon mari fit un pilote. J'ai connu l'argent. J'ai dit que partout, je ne suis pas allé à l'école. Ce n'est pas lit ni écrit. Mais c'est un don que Dieu m'a donné que je dois parler. Ma première fille a 44 ans. J'ai des grands enfants. Mais quelqu'un va venir comme ça, lève-toi. Quel argent nous on n'a pas vu? Couleur bleue, vert, rouge, tout ça, habillé, on a travaillé ça. J'ai croqué la vie et je continue à croquer. J'ai dit à Dieu, dans ma vieillesse, il faut que je sois heureuse avant de partir. Parce que je ne vais pas devenir heureuse
Et puis au dernier moment, ils m'ont dit, mais si tu la vois maintenant, ça ne va pas exister devant mon Jésus que moi que je prie. Donc les femmes qui disent, à 60 ans, un homme de 60 ans cherche ta place. Prends ta catégorie, il y en a plein. Pour vous, il y en a. Si c'est pour aller périmer les enfants des gens, parce que ce que tu as encore maintenant, là, c'est de l'acide que tu as là-bas. Ce n'est pas bonne chose là. Donc cherche ta place. Il ne faut pas avoir la hanche sur toi, aller blaguer enfants des gens. On dit jeune par jeune. Mais toi-même à ton âge, parce que tu vas dans une famille des escrocs aussi, quand ils voient ça derrière, tout le monde, même un bébé même de 6 mois, on dit, il faut aller masser le vieux là. Ce n'est pas une belle famille. Les filles, quand les gens ne veulent pas, les hommes, quand tu ne veux pas d'une fille, tu l'as prise, tu as dit, bon, je t'emmène dans ma famille. Tu sais que tu ne peux pas rester avec elle, appelle-la doucement, ah ma chérie, il faut te chercher. Le fait déjà fait un an, pas de réponse, jusqu'à 5 ans, mon petit, ce n'est pas bon. C'est du péché que tu fais. Et ta maman, ses dents en bois là aussi, elle accepte ça. Toi, tu es une mère. On ne prend pas ton fils, on ne la rend pas visite. Elle assise chez toi, et parce qu'elle nettoie tout quand tu viens. Non, ma belle-fille, elle est gentille. Elle ne sort pas. Tu penses que c'est normal? Une jeune fille qui est dans ta maison pendant 5 ans pour voir au respect, elle ne peut même pas se faire draguer. Le soir, vous tous, vous rentrez ensemble. On ne fait pas ça. Il y a des hommes aujourd'hui, les femmes que tu vois dans la rue de Sikoji, elles vont vendre poisson, elles vont se braiser. Mais au dernier moment, le monsieur dit non, moi je ne veux plus de toi. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que femme qui est là, quand la femme aussi veut, elle met tout son espoir. Vous venez de dire tout à l'heure, une personne, elle est unique à ses deux familles. Et elle t'a aimé. Elle a tout fait pour toi. Et au dernier moment, tu es devenu une chose de douanier. Tu dis, tes parents ont réservé une femme pour toi. Toi, tu sais qu'on a réservé quelque chose pour toi. Tu es escroc, monsieur le douanier. Dans le quartier où tu es là-bas, le village où tu te tois, tu es escroc. Tes parents, tes beaux-parents là, tes patrons qui sont dans le service, tu travailles à la douane là-bas. Là. Tu es un escroc, ils n'ont qu'à se méfier de toi. Tu es capable de même pour leur créer des problèmes. Où tu es devenu aujourd'hui, c'est une dame qui t'a aidé, qui s'est occupée de toi. Maintenant tu es devenu bien, tu trouves que tu as mangé dans la maison de ses parents, tu as volé des trucs là-bas. C'est son merci ça. Quand même, elle allait se tuer si ce n'est pas le coach voilà, qui l'a retenu. Bigongo l'a retenu. Elle allait se tuer pour toi, un pauvre type comme ça, un menteur international de ton village. Tu n'as pas parents, c'est maintenant que tes parents ont réservé. Mais dis-toi que celle que tu as traumatisée là, elle va trouver. Parce que dans la vie, il faut que le mal arrive pour que le bien revienne après. Mais on ne fait pas ça. On t'a gardé pour payer le concours aux douaniers là, tu sais combien ça coûte. Et tout ce temps, tu étais dans la maison, tu étais sapé comme c'est toi-même qui étais protégé de la maison. Les deux parents disent que comme nous, on n'a pas un garçon, il fait partie de nos deuxième garçons. Ils t'ont adoré. Ils ont fait tout. Au dernier moment, tu gâtes ta affaire là. Tu es escroc. La seule autre dit, tu es un escroc. Ils n'ont qu'à allumer 209 tous les vendredis. Dans le service, tu es là-bas. Quand on a dit ton nom là, tu ne sais pas que tu n'as même plus sorti là-bas. Pourquoi tu peux escroquer les gens comme ça? Hein? Et il y a des filles aussi, c'est pas qu'elles sont bêtes, elles vont aller voler l'argent pour vous entretenir. Mais elle fait ça parce que c'est l'amour. Quand on prend de l'argent pour entretenir une personne, c'est l'amour. Mais ce n'est pas pour cela que les hommes aussi, on dit, ah non, on est bien. La seule est notre avocat. La seule est double face. Moi, je ne supporte pas les mensonges. Parce que où je suis, si mon fils a raison, mon fils tient raison. Je te donne raison pour une première fois. Ah, mon fils, faut laisser ça, je te pardonne. La vieille, j'ai compris. Mais si ça continue deux, troisième fois, je récupère ma chose. Parce qu'on ne force pas. Ce n'est pas dans ça que vous allez vous battre, vous allez vous blesser, puis c'est moi, je vais perdre. Donc, Ngogo, c'est ce que tu venais de dire tout à l'heure, pour dire que les hommes, là, ils n'ont qu'à arrêter de fatiguer les jeunes. Les femmes. Ouais, ouais. Et les femmes aussi, quand tu es avec un jeune, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, à cause de vos comportements, quand ils croisent une fille, ils ne veulent plus aller ailleurs. Effectivement. Ils disent, c'est toi, je veux. Mais ils sont avec vous comme ça, et c'est vous qui vous mêlez là. Non, c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. Et comme le monsieur est tellement bien avec vous, c'est vos amis même qui viennent lui dire que ah, ta copine, elle est comme ça. Maintenant, quand ça ne va plus là-bas, quelqu'un d'autre t'enceinte. Non, si j'ai fini, j'ai venu à la maison. Moi, je sais, on m'appelle tout le temps, on m'explique des cas. Il y a des femmes qui m'expliquent des cas.
y a une dame qui me dit vraiment un jour, tout le temps je l'appelle, je dis mais il faut venir, je vais te écouter. La soeur, elle veut venir, une fille qui fait enfant, qui était en grossesse de 3 mois, puis elle tombe sur un jeune qui n'a jamais fait d'enfant, comme elle avait une grosse poitrine, lui parce que c'était rempli de lait. Grossesse avait 3 mois. Ouais. Et quand il allait montrer à sa famille, en même temps, elle a dit qu'elle avait un retard d'un mois. Les parents étaient contents. On dit, tu bouges plus, allons voir ta famille. Tu vas aller voir ça. Déjà, c'est un sénifon qui l'enceintait. Et elle est venue, elle a pris la grossesse chez un jeune. Tout le temps, je vais l'inviter. Elle dit, je vais venir, je vais venir. Elle va venir ainsi 15 jours en direct. Elle dit, quand je suis allée jusqu'à mes beaux-parents, ils m'ont mis dans la chambre climatisée parce que c'est leur fils. Il n'a jamais fait d'enfant. Quand l'enfant est né là, il dort sur la poitrine du beau-père là comme ça. C'est dessus, il dort. L'enfant marchait, hein, elle a cœur, hein, cette dame-là aussi. L'enfant marchait jusqu'à 3 ans. Le propriétaire même, lui, il a les preuves. Carnet et tout ça, il a les preuves. Voilà le propriétaire maintenant qui dit, je vais voir mon fils là. Il dit, bon d'accord, j'ai compris. Elle dit, elle allait à une église, là-bas, ça l'a secoué là-bas. Que l'enfant que tu as donné, c'est pas pour lui, ramène-lui. Ça l'a fait peur parce que eux, les gens, les chrétiens n'étaient pas au courant. La peur a fait que elle a dit, bon, elle va vraiment venir expliquer. On m'a appelé, c'était à la GESCO. On a appelé toute la famille. Elle dit, ouais, je vais vous parler. Maman, on t'écoute. Elle est là jusqu'à... Elle pleure. Elle dit, ah maman, tu as perdu qui? Elle dit, hey, maman, alors, bien vrai, je veux que tu sois témoin. Puis tu vas m'aider à demander pardon. Son mari assis là, c'est deux, son, le beau-père, la belle-mère, tout le monde, ils sont là. Quand elle m'a expliqué, elle dit, bon, on t'écoute maintenant. Elle dit, l'enfant là, plus de 4 fois... L'enfant, tu ne parles pas, il y a quoi? Ce n'est pas pour eux. Son beau-père dit, tu dis quoi? Que ce n'est pas pour eux. La grossesse, c'était pour un sénifo. Il m'enceintait 4 mois, comme on était en palabre, et puis je suis tombé sur votre fils. Son père qui était sur chez lui, il est tombé. Je ne croyais pas. Donc, le sénifo, il est venu dans la cour, il est venu récupérer son enfant. Et dans ça, le fils aussi aime toujours sa chose. Il ne peut pas la laisser. C'est maintenant qu'elle tombe vraiment en grossesse du monsieur. Les beaux parents disent, mais elle n'a qu'à faire 10 enfants. Elle n'a qu'à faire 10 enfants même avec le jeune. Ce n'est pas pour lui toujours. Parce que c'est qu'elle les a montrés là. Tous ceux qui vont venir là, c'est pas pour... Ils ont 2 enfants. Les beaux parents disent, il ne faut pas mettre pied dans la cour là-bas. Ouais. Que si c'est leur fils qui veut là. Lui, les beaux parents, ils ne veulent pas. Donc, tu vois, regarde les Hébreux. Ils considèrent même mère. Il ne considère pas même père. Hein. Il dit que même mère, là, c'est sûr. C'est la même personne que Jésus a mis sur la terre. Mais quand c'est même père, on ne croit pas. Et là, tu vois. Donc souvent, quand tu ne veux plus d'une femme, ce n'est pas la peine de la garder pendant 1 an dans ta famille. Elle est dans ton foyer, même déjà. 1 an déjà, chercher même à faire un mariage. On peut faire tes petits mariages. Effectivement. Mais vous ne vous préparez pas. Et puis ils sont là comme ça. Et souvent, voilà, c'est ce que vous dites. Si les jeunes aussi, souvent, les jeunes aussi font exprès. Les jeunes, ils font exprès. Si tu vois une fille, quand une fille ne nous aime pas, mais on sait. Nous, on le sait très bien. Pas venir mettre l'an devant, mettre les matériels devant. L'envoyer dans les grands coins, au début, pour l'impressionner. Parce que c'est ce qui tue la jeunesse aujourd'hui. Ils savent qu'il y a, voilà, telle fille, c'est pas ma pointure. C'est là, son terrain, il ne peut pas jouer là-dessus. Mais tu as venu mettre guerre devant. Mais tu veux peut-être pendant combien de temps? Là-bas, dans les grands coins, les grands restaurants, que toi-même, tu ne partais pas là-bas avant. Juste pour impressionner la fille. Elle va commencer à sauter avec. Une fille qui sort avec toi parce que tu l'envoies dans les grands restaurants, dans les piscines, tu payes les iPhones pour elle. Le jour, il n'y a plus tout ça, elle va partir. Elle n'est pas là par amour, elle est là pour accueillir ce que tu lui donnes. Donc, souvent, il faut savoir. Ça dépend du commencement. Il faut, voilà, ça dépend du commencement. Dépend du commencement, c'est toi qui l'habitues à ça. Voilà, si ma fille a 1000 francs pour aller payer feuille de baouin, où elle va enlever Alphonse là? C'est toi qui l'habitues à ça, ça, seulement n'accusez pas les filles. C'est quand tu es venu, non, c'est pas les filles, que tu es boss, tu as tout. C'est pas les filles. C'est le moment qu'elle s'accroche. C'est pas les filles à qui. Sinon, ma go, moi je n'ai rien. Voilà le père que. C'est le départ qui compte souvent chez une femme. Effectivement. Nous, dans le départ, nous les hommes, dans le départ, on a montré aux filles que ça va. Ah bon, donc. Voilà, on vient, c'est-à-dire le déjeuner, c'est que toi-même tu ne faisais pas ou pas. C'est ce que tu as. Oh, allons dans tel coin, allons dans. Tu l'envoies dans les grands coins, tu paies les grands téléphones pour elle, tu montres que ça va chez toi. Mmh. Et le jour, il n'y a plus ce confort-là. C'est normal qu'elle parte. C'est clair. Donc, soyez vrai dans le début. Ah, ma chérie, voilà, il s'est un électricien auto, il me débrouille un peu. En tout cas, je suis un travailleur, tu ne vas pas avoir faim. Il a tout fait un peu, voilà. Mais au début, on prend voiture des clients, on les envoie dans les grands coins, à Sini, dans les trucs. Et puis, vers la fin maintenant. Tu l'amènes à la maison, elle est d'accord, mais après, maintenant, elle n'a plus ce truc-là. C'est normal qu'elle va bouger.
Une femme qui t'aime par les invitations, parce que tu l'envoies dans les grands points, des concerts, festivals, etc. Tu vas toujours le faire. Parce que sans ça, il va partir. Femme est comme enfant. Femme est comme enfant. Quand elle va manger à la maison, l'enfant va manger chez les voisins. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Toutes les femmes, toutes les femmes. En général, sans exception. Moi, je suis Nyambolo, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. Moi, là, c'est le citron Nyambolo. Donc, quelqu'un va me on invite, voilà, on invite les jeunes pour éviter beaucoup de gourmets. On invite les jeunes à savoir avec qui. Voilà, il faut sortir, il faut draguer les femmes, soit naturel quand tu es un pointé. Voilà, dis à la fille, non, vraiment, ici, tu fais du travail ici, je ne suis pas trop en forme. Pas venir regarder, jouer aux fiches des ministres et puis après, maintenant, ça, voilà, reste accroché dans ta gorge. Voilà. Mais là, par exemple, comme ça, bam, les Jean-Paul, qu'on appelle JP, quand il croise une personne, il dit, moi, sincèrement, je ne vais pas le mensonger, je suis marié légalement. Tranquille. Je suis marié. Je peux t'inviter à manger, mais moi, bam, les JP, que ma vie qui est là, je ne suis pas dans le jeu. Même il y a Man qui est là, les clubs là, et ils ne sont pas dans le mensonge. On dit, mais tu vas mentir une personne, demain, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hein? Donc, c'est des choses. Et même, j'ai mon propre petit frère aussi qui me suit. Lui, il a la BAE là. Hein? Donc, il s'appelle Maé. Avec son ami, Lalé, les deux là, tu ne vas même pas faire problème avec les Maé. Maé, il va te dire que je suis marié. Donc, vraiment, je ne suis pas quelque part pour indisposer ma femme. Il faut dire la vérité, si c'est la tout. Personne vient peu foncer. Voilà, c'est tout. Parce qu'au départ, voilà. Tu sais que tu n'as pas les moyens. Tu vas l'envoyer dans... Les grands coins. Dans le grand coin. Ouais, demain, là, voilà. Tu l'as habitué dès le départ. Toi, tu l'as habitué. Donc, c'est normal que, voilà, s'il n'y a plus, elle doit partir. C'est clair. Donc, les jeunes filles aussi, si tu vois un gars que tu sais que tu ne l'aimes pas, il ne faut pas laisser ces 1000 francs, ces 2000 là. Ah, faut faire dépôt, donc 2000 francs. Oui, c'est là, il dit, fais transfert, fais ça. Libère sa vie, au fait. Donne pas ton numéro à un gars que tu sais que tu ne l'aimes pas. Voilà, évitons tous ces trucs-là. Moi, je pense que tous ces régimes. En fait, des numéros-là, ça, ça n'a rien à voir avec aimer. Quelqu'un, on ne connaît même pas, on peut lui donner le numéro. Mais tu ne le connais même pas, tu lui donnes ton numéro. C'est dangereux, même d'abord. C'est quoi le numéro? Mais moi, je ne me reproche rien. Moi, là, c'est là, tout le quartier a mon numéro. Voilà, donc, c'est ce qu'il disait là. On interpelle la jeunesse à rester tranquille. Voilà. Les jeunes filles, tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, évite son argent. Même ton numéro, même moi, je te conseille de ne pas donner même. Tu vois un gars qui te drague, qui tape l'œil. Voilà, les hommes aussi, éviter de sortir de l'ordinaire pour impressionner une fille. C'est-à-dire, aller jusqu'à donner tout ce que toi-même tu sais que tu ne pourras pas donner ça pendant longtemps, juste pour l'avoir. Évitons ça. C'est ça qui crée les gourmets et autres. Voilà. Sinon, c'est Bikongo, Facebook, artiste, chanteur, blogueur. Voilà. Gassaman en même temps. Tout roule ensemble. Enfin, TikTok, Bikongo. Facebook, Bikongo. Instagram, Bikongo. Tout c'est Bikongo. Tu tapes le grand Bikongo partout. Sur toutes mes pages, ça roule. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. C'est mon mot de fin qui est là. On ensemble. Je suis très heureux de retrouver M. Bikongo, qui est coach aussi, qui est comme mon collègue coach. Alors là, moi, c'est ce que je voulais. J'ai toujours dit que je vais inviter ce genre de personnes. Lui, il est coach des femmes. Il donne conseil aux femmes. Il supporte les femmes. Moi, je suis aussi du côté des hommes. Donc aujourd'hui, c'est une émission. Aujourd'hui, chacun de nous a fait parler son cœur. Avec Bikongo, c'est de la réalité. Il faut quand même comprendre ça. Et avec la seule aussi. Supporter un homme ne veut pas dire que je ne supporte pas ma fille. Mais je ne supporte pas mon fils parce qu'il est dans les mensonges. Quand tu es dans les mensonges, la seule loi ne peut pas marcher avec toi. Il faut que M. Maé, du côté de la BAE, sans oublier, Gay Lumière. Parce que quand tu dis la vérité à une personne, comme les filles aussi, elles aiment les mensonges. Quand tu les mens, c'est ça, elles sont avec toi. La femme même n'aime pas la réalité. Celui qui va vraiment s'occuper d'elle, là, elle ne veut pas. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec la seule, l'émission Gourmet Sucré, soyez toujours branchés de chaque vendredi à 22h. Avec le Gourmet, il n'y a même pas de problème. Je serai toujours avec le coach. J'espère que tu vas revenir encore. Toujours. Parce qu'avec toi, on peut mieux travailler. Ouais. C'est ce que je disais toujours. Je veux rester avec un homme qui parle des femmes et moi, je parle des hommes. J'espère que ça va beaucoup prendre. Donc merci. Merci pas répondre quand même plaisir, à mes messieurs. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On est ensemble.